Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran, aujourd'hui je vais vous présenter les pédales Look Keo 2 Max. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve comme ça pour l'ouvrir. Donc niveau emballage, on retrouve le sigle Look juste ici. Ici Keo 2 Max en carbone, et on a l'information importante du level. Donc là c'est les pédales juste avant les Keo 2 Blade céramique. Donc très important sur nos débutants de ne pas prendre un level aussi haut, ce sera beaucoup plus dur à chausser et déchausser. Donc on va ouvrir ce packaging. Voilà, donc voilà ce qu'on aura à l'intérieur. De l'autre côté on a juste la deuxième pédale, c'est pas intéressant de le montrer. Donc on a d'abord les taquets qui sont juste ici, donc deux taquets avec un grip. J'avais fait un retour d'expérience sur des taquets Look et quelques personnes m'avaient dit qu'il n'y avait pas le grip, c'était pour ça qu'il s'était abîmé aussi vite. Donc je vous mettrai la vidéo en description et je vais réessayer avec ces taquets et je vous ferai peut-être un retour d'expérience ou une story Instagram pour dire ce que j'en pense. Et donc nous voilà au sujet important de cette vidéo, on se retrouve avec la pédale en main. Donc déjà si on compare avec les autres pédales, elles sont un petit peu plus larges à ce niveau là. On va retrouver une plaque en métal, ce qui va être très très pratique pour limiter l'usure. Et ici on va retrouver une Look Keo 2 Max Carbone. Donc elles sont très légères, elles pèsent 127 grammes chacune. Donc je reste avec comme sous de la barre des 7 kg avec mon vélo. Donc ça c'est nickel. Ici on va retrouver le niveau de serrage de difficulté du ressort pour la différence de clipsage et déclipsage. Et donc on va tout de suite pouvoir passer à l'installation. Juste ici pour vous montrer les anciennes pédales, donc c'était aussi des Look, je connais pas bien quel modèle c'est, si vous le savez dites-le moi en commentaire. On peut voir qu'elles sont sales parce que forcément on est en hiver, les routes sont boueuses et j'ai pas envie de très bien nettoyer mon vélo maintenant, surtout que je vais les retirer. Et donc on va les remplacer par les nouvelles Look. Donc tout d'abord pour les retirer, on a une petite prise avec une clé Allen derrière. Il suffit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on peut la retirer. Donc à savoir que j'avais déjà au préalable desserré la pédale. Et donc voilà, on va ouvrir le packaging juste ici. Et voilà, donc on trouve sur ce plan pour poser la pédale, donc Keo 2 Max Carbone, je le répète. Donc on a juste à visser dans ce sens-ci. Et là, il faut utiliser une clé Allen qui est juste ici. Et là, on va aller la chercher de l'autre côté de la manivelle. Et on tourne dans le sens où vous pédalez. C'est une sécurité. Avec un peu de graisse, c'est mieux. Ce sera plus facile pour la retirer. Et donc là, pas besoin de serrer un maximum, hein, juste un petit peu. Voilà, de toute façon, elle se bloque. Et donc là, on se retrouve avec la pédale. Donc, à l'horizontale, elle paraît déjà très aérodynamique. C'est un point positif qu'on va pouvoir vérifier sur la route dans une prochaine vidéo. Et elle paraît aussi très compacte, contrairement à mes anciennes pédales qui étaient plus étalées, plus allongées. Donc, je mets la deuxième et on se retrouve juste après pour le débrief. Voilà, donc moi il ne me reste plus qu'à mettre les taquets qui sont juste ici et je pourrais vous faire une vidéo test de ces pédales Look Keo 2 Max. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.